Qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'ai raté des messages là, qu'est-ce qui se passe? Ah merde, il y a le dragon. Et Lyric Gaming, merci pour les GG. Merci beaucoup. Hop là. J'ai raté des messages, j'ai l'impression. Hop. Désolé si je vous ai raté, je m'en excuse. Le chat va trop vite. Ok, nice. Et il fait mal ce coup. Ok, bon, on est mort. Ah, je fais Mog, la version Mog pure. Tu crois que j'ai le niveau, sans déconner. En fait, moi, ça me dérange pas, mais faut que j'ai le niveau, quoi. Bon, les dégâts sont corrects des deux côtés. Ce dragon, il est cool. Lance-axe, Fortis-axe, ils sont vraiment cool. Ok. Ok. Let's go. Tiens, dans la gueule. J'avoue que c'est assez marrant de mettre des boules de feu à la gueule des dragons. Ok, ok. I'm ready now. Ok. Attendez, j'ai plus de jus. Voilà, la grosse queue du dragon. Oh, nice. Taste Bowyab. Voilà. Putain, et dire que j'ai galéré en off. Le glaive de lancer axe. Le glaive. Le glaive. Tant yes. Je savais même plus qui dansait et qui donnait ça. Formidable, formidable. Oh, excellent. Toutes les lames de pierre, oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde. Genre, j'en ai pas assez chié comme ça, il m'envoyait encore des... Oh putain. Attends, lui, il avait rien demandé. Facile ce dragon. Bah pas si facile que ça en vrai. Hein. Tiens, ah bah voilà, je me disais, putain, où sont mes dégâts? Allez, ça dégage. Bowia, merci pour les GG. Je suis désolé pour ceux qui sont arrivés entre temps, qui ont dit bonjour, si je vous ai raté, je m'excuse sincèrement. Ah, j'ai vu des jolis lurks en tout cas, hein. J'ai vu Ash qui lurkait, Knucklesk. Ah là là. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et là c'est quoi déjà? Ah! Ouais, bon, bah ciao. Oh! Oh le snipe! Ouais, putain de couteau noir de merde! Non non, lui il est trop fort! It's too strong! Merde. Oh, je peux même pas invoquer mon allié, quoi. Oh ouais, non, too strong for me. Hein. Je vais mettre un marqueur de mort ici, et je vais enlever celui-là. It's too strong. Alors attends, il est où mon quatrième marqueur? Je l'ai pas vu. Vous avez vu un quatrième marqueur? Tu sais, tu poses des marqueurs, mais tu sais plus où est-ce que tu les poses.
Alors, il y a le troisième là, mais le quatrième, je l'ai mis où? Ah, c'était l'académie, j'avais mis. Ah, si on voulait, si on avait beaucoup de temps, on faisait l'académie, ouais, c'est vrai. Allez, on va aller à la tour de Rani. Assassin de la police! Alors, attends. Oh, moi, ça, je me le mets direct, hein, le truc de lancer Axe. J'en ai rien à foutre de combien ça prend. Un emplacement pour ça? Pas mal. Invoque un glaive rouge qui frappe depuis les airs. Il faut 42 fois quand même pour le... Oh, je veux trop tester. Je veux trop tester. Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Attends, il y a des loups là dehors. Attends, attends, on va le tester là-dessus. Oh, oh. La puissance du Tchad. Elle n'est pas à sous-estimer. Oh là là, what? One shot, triple kill. Easy. Easy, easy. Ça marche bien, hein. Ah, trop bien. Ça, ça va être pas mal quand t'as plusieurs cibles, ouais. Tu sors de zone sympathique. Oh là. Mais il est trop bien, ce sort. Franchement, ça a l'air pas mal du tout. Hâte de voir ce que ça vaut, quand même, sur des boss ou quoi, tu vois. Attends, putain, il faut que j'arrive à la tour de Céluvis, mais putain, il faut faire tout le tour, c'est casse-couille. Alors, j'ai raté qui? J'ai raté Tony et Alex Tell. Bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pouya. Bienvenue à vous. On fait le jeu avec des incantations uniquement. Ah bah oui, eh, c'est, franchement, c'est vrai que c'est pas mal ce que dit Agregas. Hein. Après avoir battu Mog, Zeus Chad s'est trouvé couvert de sang, et du coup sa foudre s'est teintée de rouge. J'avoue, il y a un petit côté sympathique là, tout ça. Allez, on va aller voir Siluvis. N'oubliez pas que ça rime avec Tanis, bien sûr. Je te donne la lumière stellaire ambrée. Well, well. You managed to lay your hands on it. The blessed day is finally upon us. Goodness gracious, the way it glistens. Utterly enchanting. To think this was once a demigod's very fate. My, oh my, oh my. Ah, are you still here? Ah, yes, I should give you your reward. Yeah, please, it's all yours. It's splendid work, it's just marvelous. Talisman du scorpion magique, yeah. Now just you wait. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? The moment is soon to begin. The scheme I promised is to be revealed very shortly. Tu fais flipper, frère. Il fait flipper, celui-ci. J'ai acheté tous les pantins qu'il proposait. Je pense que je me sers. Il fait flipper. Oh, putain. On va retourner à la tour de Rani. Oh, putain. Let's go. Montée de niveau, bien sûr. 54 de fois, bien sûr. C'est évident. Est-ce qu'on monte encore dessus? Ah. Il faudra encore un petit peu plus. Ça va pas me suffire. Ça manque encore un peu, je crois. Ça, ça donne combien? Ah. Ça va pas me suffire non plus. Let's go. ...55 de fois, mesdames et messieurs. Ouh. Damn, damn, damn. Ok. Allez.
Il a dit je n'ai pas de compte en Suisse, quoi. Quoi? Oh putain. Attendez, mais putain, mon avatar, il est depuis tout à l'heure. Il est... C'était quoi ce bruit? Oh, il y a eu un paf! Je sais pas ce que c'était. Ok. Il y a des bruits bizarres chez moi. Allez. Il y a un truc qui a pété, je sais pas ce que c'était. Bon, alors. Tout ça a dû s'entendre dans le micro, tu sais. Tout va bien. Tout va bien, les gars. Il y a un truc qui a pété, je sais pas ce que c'était chez moi. Je sais pas ce que c'était. Il y a un truc, ça a fait PAF! Je sais pas ce que c'est. Bah écoute, tout fonctionne, hein, donc. Ma foi. Il y a un truc qui vient de péter. Il y a la console qui n'en peut plus, tu sais. J'en sais rien. Parlez. Good. I've been waiting for you. Tu m'attendais. It's finally complete. The perfection of my draft, gleaming nectar sweet. Give it to Rani and ensure she drinks it. Breuvage ambré. The dead-eyed doll lets down. Putain, fais pas ça, mec, tu me fais flipper. Rather remarkably. Though she might dip her hands in the dirt and feign that icy persona, she's a frail, gentle girl at heart. Étudier la sorcellerie en portant un an. À propos du breuvage. You understand, don't you? That once you have Rani drink my draft, my scheme will come to fruition. And we, well, we'll be in a position to claim the very finest puppet ever crafted. Just imagine the pure elation. Bon, si on allait donner un petit breuvage à cette gentille Rani. Let's go. Il va finir par te mettre des coups de couteau. ce serait vraiment pas le genre de... C'est Luvis quand même. Allons. Bon bah on va aller donner ce petit breuvage à Rani pour voir ce qu'elle nous dit. Et bonne nuit Okami. Merci encore d'être passé, ça fait bien plaisir. Je reste choqué par le bruit qu'il y a eu. Bah y en a qui l'ont entendu, y en a qui l'ont pas entendu. En fait, comment dire... Je sais que ma PS5, depuis un petit mois, deux mois maintenant, de temps en temps, quand je l'éteins, en fait, elle fait des petits... Tu sais, quand... Je sais pas comment expliquer ça, mais je sais que vous savez ce que je veux dire. Mais en gros, des fois, tu sais, t'es chez toi, et d'un coup, t'entends, je sais pas, un petit craquage au niveau du frigo, un petit craquage sur des appareils, en fait, électriques. Et tu sais pas d'où ça vient. Bah là, la Play 5, si tu veux, je sais qu'elle me le fait de plus en plus souvent quand je l'éteins, et je sais pas pourquoi. Et là, ça devait être ça. Bref. Donner le breuvage. Vas-y, hé, je lui donne le breuvage. Oh, tu peux lui parler sinon. Attends, si je lui parle, elle me dit quoi? Rien. D'accord. Oh, je lui donne le breuvage comme ça pendant qu'elle dort? Rani, est-ce que tu veux de la morora? Est-ce que ça affecte les empyréens? Bon, t'es plus qu'une poupée, donc théoriquement, ça devrait. Administrer le breuvage ambré, les gars! Les gars! Je sais pas si c'est un lien avec la chaleur, peut-être. Well, this is a most unpleasant awakening. The depths of wickedness never fail to surprise me. I am saddened that thou wouldst succumb to such depravity. Led astray by Celavis with devious tonic in hand. Didst thou think to have thy way with me? Be gone, hapless scum. I won't have another whiff of thy rotten breath. Je crois que ça a pas marché. Je crois que ça a pas marché, les gars. I have spoken away from my sight. Is the third time. Oh, what? Enough of thy unbearable breath. Assez de votre haleine viciée.
Oh, elle m'a insta-kill, quoi. Oh, j'en reviens pas. Oh, elle m'a insta-kill. Et si tu retournes la voir, elle te re-insta-kill. Oh non! Ah là là! J'aime bien, tu lui parles et elle t'insta-kill, quoi. Oh merde! Attends, je vais voir si lui reparler nous retue ou pas. Moi, je veux voir. Oh, dur! Vas-y. Oh, elle s'est barrée. Voilà, ça c'était ma micro-vengeance. Putain, merde! Bon. Eh bien, écoutez, t'sais, Rani n'est plus, hein. Enfin, n'est plus. Elle s'est barrée, quoi. Elle s'est barrée pour un monde meilleur. Oh, merde. Ouais, on va aller voir Siluvis. On va aller voir Siluvis pour lui dire... Mec, ton idée, c'est vraiment de la merde. J'ai donné la potion et ça lui a rien fait. Donc, tu crois qu'il va nous dire quoi? Ça se trouve, on va peut-être voir Rani près de Siluvis, je sais pas. Oh, nice. Ça se trouve, tu sais, il y aura Rani à côté, elle va le défoncer. Du coup, ça nique sa quête, ouais. Ça nique sa quête. Mais rien à foutre, on est le chat, tu vois. On n'a pas besoin de ça, nous. À chaque fois, je veux descendre de là, mais j'ai peur que ça me tue. Tu l'as donné à qui, la potion? Tu peux donner à qui d'autre, la potion de Siluvis? Putain, je suis curieux, tu vois. Siluvis, bordel, ta potion, c'est de la grosse merde! Ah! Ah! Ah, oh, merde! Oh putain, il s'est fait... Ah, il s'est fait one shot aussi, je pense. Ah, oh, merde. Ah bah, le pauvre Siluvis, quoi. Bon, bah voilà. C'était... C'était la super quête de Siluvis. On peut dire que c'était vraiment de la bite. Bon, putain. Quelle grosse quête. Oh là 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 là. Bon bah, grosse quête, hein, Siluvis, les gars. Giga quête, hein. Alors, théoriquement, tu peux aller à l'église des vœux et demander l'absolution. Mais je sais pas si j'ai une fiole pour ça. Je sais pas si j'ai une fiole. Tu pourras aller voir le conseiller de guerre pour voir ce qu'il te dit. Ah oui, ça c'est pas con ça. Et salut à toi Alextel. Bienvenue sur le stream. Oui, c'est pas con ça, on va aller voir Iji. Iji qui est... Il est vers où Iji? Je me rappelle pas où il est Iji. Et salut à toi Matt. Encore des soucis internet. Eh mais Matt, mais change d'opérateur, c'est pas possible. Ah, il s'est barré. Il s'est barré. Avec sûrement Rani. Et du coup, il n'y a pas Blaine non plus. Merci beaucoup, Rombot, pour le resub. Merci énormément à toi. Pour les 26 mois, c'est énorme. Ah, il y a toujours Blade, là. Sérieux? Venez, on va voir Blade. Attendez, venez, on va voir Blade. Il va nous dire, je vais vous défoncer. Blade, il va pas être très content, je crois. Oh, viens, on va voir Blade. Déjà, qu'est-ce qu'il fout là? J'ai jamais vu Blade ici, moi. C'est très bizarre. Très, très bizarre. Wow. Ah, j'ai hâte. Je pense qu'il va nous attaquer, moi. Je pense qu'il est... S'il est là en allié, ce serait très, très bizarre.
C'est ça, Blade, c'est dans... En fait, Blade est dans la geôle, tu vois, il attend. Il est où, la Blade? Et Blade, t'es là! Mais il est où? Hein? Quoi? Personne? Le jeu est-il buggé? Pas Blade? What? What? Quoi? Et comment tu fais pour qu'il soit désenfermé de la geôle? Quoi? Mais du coup, je peux pas le sortir? D'accord. Donc en fait, il est dans la geôle et tu peux même pas l'en sortir. Mais j'ai déjà fait la geôle, donc c'est mort. Oh, c'est chelou. What? Eh ben écoutez, je ne savais pas. Encore des choses qu'on apprend sur ce jeu. Donc Blade est là-dedans, mais il n'y a aucun moyen de le faire revenir. Ok. Bon. Bah écoutez. Chaud. Non, mais attendez, on va essayer de... Blade est condamné à rester ici. Le pauvre Blade qui est dans sa geôle, tu sais. Mais putain! Et qu'il est con, il m'a condamné! Alors, attends. Attends, il y a peut-être un moyen. Il y a peut-être un moyen, les gars. Si on va à l'église des vœux. Offrir de la rosée céleste, oui. Vos péchés ont été absous. Ok. Attendez, on va voir. On va voir. Peut-être que... Alors quelque part, c'est une empyréenne, hein. C'est donc une demi-dieu. Donc techniquement, c'est pas juste foutre de... C'est pas juste foutre un peu d'eau qui fait que... Oh bah tiens, elle va oublier, tu vois. Ce serait fou. Ce serait énorme. Vas-y, fais voir. Bonjour. Ah, ah, oui, c'est la risette. Oui, c'est la risette. Ah oui, trop bien. Et oui, et lui, il est là. Iji, il est de retour. Mais non, trop bien. Bah, c'est Luvis, il est mort, hein. Ça ramène pas les gens à la vie, ça. Oh, trop bien. Comme si de rien ne s'était passé. Et il m'appelle camarade. Alors que j'ai voulu buter Rani. Je disais, on a failli tuer Rani, putain. Oh, qu'ils sont cons dans ce jeu! Oh, c'est excellent. Mais attends, et du coup, Blade, là, il est toujours enfermé. Ouais, mais maintenant, il y a un moyen de le sauver, quoi. Attends, je veux juste voir s'il y a quelque chose ou pas. Coupé au montage. Nickel. Oh, vas-y. Oh, je veux trop voir. Est-ce que Blade, il y a une action, il y a quelque chose ou rien du tout? Ça n'a aucun sens, l'absolution. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, c'est lui, c'est mort tout seul comme une grosse merde. Tu vas parler à Rani, elle va te dire « Moi, avoir tué c'est Luvis ?» Oh, vous devez rêver, voyons, Tarnished. Moi, j'ai rien fait. Je me rappelle pas de ça. Ouais. Voilà. Ça a été coupé au montage, tel des vidéos YouTube, avec 50 milliards de cuts.
What? Parler? Attends. Oh, it's you. It's me. Why? Oh, Blade! Luigi trapped me here. Told me I'd bring north the bell to Lady Luana. But there's no chance that could happen. I'm part of a being. A very shadow. I thought old Luigi knew as much. Honestly. I don't know what's going on anymore. Bah, j'ouvre. My thanks, friend. I'm going to see Mr. Srani now. I don't know what came over old E.G., but even if the odds are slim, I need to check the mistress is safe. Now, Rani can finally set in motion the fight against her fate she's dreamt of for so long. I'm going to see Mr. Srani. I don't know what, but even if the odds... Ok. Bon bah voilà, on a sauvé Blade. Sinon, Blade était condamné, t'imagines? C'est fou. Bien le bonsoir à toi, Sandra Draken. Oh non, mais sinon, Rani était condamné, tu sais. Enfin, Blade était condamné parce que Rani avait disparu. Oh, c'est énorme. Ah oui, putain, j'ai ça à faire. On va aller voir un personnage que vous ne connaissez pas. Ou très peu. On va aller voir un PNJ que vous connaissez peut-être pas. Mais Rani va pas aimer. Bon, emmerde Rani à un moment. Je crois que c'est... Vous avez pas compris qu'on emmerdait tout le monde dans ce playthrough encore? Ah bah écoutez, je vous donnerai plus de preuves, hein, mais croyez-moi que... Voilà. On n'est pas... Le Tchad n'est pas là pour se faire des amis, hein, clairement. Il est là juste pour être le plus puissant et c'est tout. Alors... Ouais, faut aller par là. Putain, faut esquiver tout le monde par contre, là ça va être terrible. La voix de Blade, Liquid. Liquid Snake. What? Ok, nice. Faut qu'on aille dans cette forêt. Ah! Putain de merde. Ok. Tout va bien. Allez, le PNJ doit être dans cette forêt quelque part. Dites-moi si vous voyez un PNJ. Peut-être par là. Où est le PNJ, putain? J'en ai aucune idée, hein. Je sais que c'est par là. J'ai fait exprès de garder cet emplacement pour le PNJ. Sinon, j'y serais allé en off. Oh, bonjour. Au revoir. Je pense que c'est vers les ruines, moi. Bah, le CTP... Le PNJ, c'est TP de la dernière location. Localisation. J'ai plus parlé. Église martiale. On est déjà venu ici, dans la partie découverte. Ah, elle est là. Alors attendez, je récupère juste ça. Ah, merci. Alors, vous ne connaissez pas ce PNJ ou vous l'avez peut-être vu lors du playthrough découverte. Qui c'est? C'est Yeta, c'est son nom. Elle apparaît, en fait, une fois que t'as fini la quête. Vous savez la quête de Irina avec son père, donc Irina qui est par là, au début de la péninsule. Et en fait, qui vous dit que son père est dans le château ici, château de Vent Hurlant. Et en gros, elle voudrait que son père se casse. En gros. Donc,
Toi, tu vas là-bas, tu bats le boss pour récupérer l'épée. Tu dis au père de Irina, bah voilà, j'ai récupéré ton épée, c'est bon. Et lui, il te dit, ok, eh ben, je vais voir ma fille et on va passer le reste de notre vie ensemble, ça va être trop beau et tout. Et ensuite, Irina, tu te rends compte qu'elle est morte. Son père la voit morte. Et il dit, je vais me venger, je vais vraiment faire du mal à celui ou celle qui a fait ça, tu vois. Et à un moment, tu le recroises à une cabane qui est, je crois, en Lyurnia. Là, la cabane du vengeur. Tu le recroises ici, il t'envahit et il essaie de te tuer. Et c'est comme ça que t'as la hallebarde plus 7 ou plus 8. Bref. Ça, c'est la fin de cette quête. Mais en fait, il y a une suite à cette quête. Une suite entre guillemets. En fait, cette quête te permet de débloquer un nouveau PNJ. Nouveau PNJ que tu vas croiser par là. Dans un premier temps. Et c'est Yeta. Yeta, elle, qu'est-ce qu'elle te veut? Elle te demande un certain item. En fait, elle, c'est juste, elle te dit « Bonjour, je cherche la lumière et je cherche cet item pour permettre de voir la lumière. » Cet item, c'est quoi? Alors, j'ai une copie de cet item qui est quelque part dans mon inventaire, théoriquement, mais je sais plus où c'est. Ça. Ça, c'est pas tout à fait exactement ça, mais ça y ressemble. Ça ressemble à une énorme pomme, mais avec de la flamme exaltée. Je sais plus le nom de ce que c'était. Mais tu vois, c'est ça. Et en fait, elle se nourrit que de ça. Enfin, que de ça. En gros, elle te demande à chaque fois d'en manger. Sauf que ça l'écœure et tout, tu sais, mais ça lui permet de voir la lumière. Donc, tu l'entends même vomir à un moment. Hein. Genre, elle mange, merci beaucoup, et puis tu te barres et t'entends... Voilà. Et grâce à ça, elle peut voir la lumière. Parce que oui, Yeta ressemble énormément à Irina. Déjà, c'est fou. Et elle est évidemment aveugle, comme tous les persos féminins de ce jeu. Elle est aveugle. Et en fait, une fois que tu lui as donné 3 fruits qui se ressemblent, Benibou, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pouya. Une fois que tu lui as donné 3 fruits qui se ressemblent, elle va se téléporter à un autre endroit et elle te dit « Ah, merci et tout. » Des fruits de Chabriri, merci. Donc, une fois que tu lui as donné 3 fruits de Chabriri, il n'y en a que 3 hein, que tu peux trouver, donc c'est vraiment des trucs fixes. Après, tu vas devoir battre Vic, qui est à Lyurnia. Vous vous souvenez peut-être de Vic? On l'avait croisé... Alors, de mémoire. On l'avait croisé... par là. Vers la tour de flamme exaltée, église de l'inhibition. Je crois que c'est même là qu'on le croise. Il t'envahit à l'église de l'inhibition. Et quand il meurt, il te donne ce fruit. Et c'est ce fruit qu'il faut lui donner à elle maintenant. Voilà, pour la continuité de cette quête. Voilà un petit peu pour vous remettre en état. Donc, où est-ce que tu peux trouver des fruits de Chabriri? Je ne sais plus du tout, je suis désolé, faut aller voir les wikis. Mais voilà. Donc. Oh, hello. Is that you over there? Have you ever heard of fingerprint grapes? They're special grapes which only grow on those who've been clasped by the burnt fingers. I would truly love to try one. The distant light seems far closer than before. But I can't sense a thing from the usual grapes anymore. Please, could you donate a fingerprint grape to me? Without one, I don't know. I feel like I might go mad. Oh. Oh. A fingerprint grape. Tried and true. What a wondrous thing. A fingerprint grape. Oh. How sweet. How it burns. Thank you. I've composed myself again. May the blessing of the fingers be upon you. Thank you. I'm sure I'll be a finger maiden. Thank you. I'm sure I'll be a finger. Donc elle veut devenir une servante de l'augure des doigts. Dernière petite chose. Pour ceux qui se demandent c'est quoi ce que je lui donne, c'est pas des pommes, j'ai dit que ça ressemblait à des pommes parce que ça ressemble à une pomme de visu. Mais en fait, sachez-le, ce sont des yeux. Voilà, donc en fait on la nourrit à coups d'œil. Et ça tu le sais que juste avant, tu vois. Genre la fois d'avant où je l'ai croisée, elle me dit « Est-ce que vous savez ce que c'est? Pouvez-vous me dire ce que c'est? Est-ce que je suis en train de me nourrir là ?» Et tu lui dis « Ouais, c'est des yeux. » Voilà, au calme. Donc, yes. Et elle a... été téléporté ailleurs. Parfait. Elle doit être au dernier point de la quête. Donc voilà. C'était Yeta.
On va enlever tous ces putains de marqueurs de merde que j'ai mis. Voilà. Nickel. Nickel, nickel. Mon œil. Mais c'est des pommes. C'est sucré et brûlant selon elle. Ouais, mais elle vomit à un moment, je crois. Il me semble qu'on l'entend vomir. Ok. Et eh ben voilà pour Yeta. Je vous ai à peu près tout expliqué la quête de Yeta en gros. Et encore une fois, pour les fruits de Chabriri, tout ça, pour savoir. Il y en a que 3. Hein. Mais pour savoir où ils sont, faut aller checker les wikis. De mémoire, t'en as un. Fruits de Chabriri. Juste après Godric le greffé. Genre, tu bats Godric, tu vas dans la salle du trône. Et tu te casses en direction de là, en fait, de Lyurnia. Et tu en as un dans la pièce à côté d'un fantôme. Et les deux autres, je sais vraiment plus, je suis désolé. Mais voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'était une des choses que je voulais vous montrer. Donc maintenant, attendez, qu'est-ce qu'il nous reste? 4 et 5. Okay. Donc il nous reste l'académie, qu'on pourrait aller faire. Il nous reste l'académie. Où on peut aller, donc il y a, putain, on pourrait se faire un tryhard de boss sur lui, ou, il y a quoi là? J'ai mis un truc là, mais je sais pas pourquoi. C'est intriguant. Pourquoi j'aurais mis un truc là? Je sais pas, on peut aller voir, mais par contre je sais pas de quel côté il faut aller. On va aller par en haut, on va voir. Je me souviens de 2 emplacements, mais pas le 3ème. Morgoth. Captain Grosherram. Captain, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pumia. Ok, let's go. Un bon ennemi en Kaelid. Ah, il y a la tour divine de Kaelid qu'on n'a pas fait. Il est vrai qu'on pourrait prendre 2 minutes pour aller faire ça. Il y a un apôtre à faire. Et en plus, il te donne un... C'est... Non, il te donne quoi, lui? C'est quoi le loot de l'apôtre, déjà, si tu peux? Je me rappelle pas. Bah, ouais, il y a un truc sympa à récupérer. Mais je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Si c'était un PNJ, un truc à récupérer, je sais plus du tout. Donc on va aller check. Ok. Voyons voir. C'est une église? Ah, oula! Ça pue! Ça pue, ça pue. Oh, 2ème église de Marika, excellent. L'arme de vie. Ah, putain! Dégage! Oh, c'est notre pote Yuria! Ah non. It seems I am no match for you. But I've learned a thing or two myself. You see. I've sliced the finger off. Please. Please. Eleonora. Yield to the Cisplan no longer. Do not stain the immaculacy of your sword. Your flesh. Your fire. Ah, merde. Ah, oh, merde. Well, I... What? 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 Putain. J'avais esquivé mon truc. Ok. Merde. Nice. Et évidemment.
Elle peut t'interrompre, mais tu perds pas de vie, c'est marrant. J'espère que t'aimes la flamme exaltée! Taste the Booyah! L'arme de cristal purificatrice. L'âme double d'Eleonora. Cool. Le toutou à tout prix. C'est la fin de la quête de Yura. Ok, bon bah je me souvenais pas qu'il y avait ça ici. Cool. Merci pour les GG. J'ai tout pour faire Mog. Incroyable. En vrai, j'ai tout pour faire Mog, les gars, vous êtes sûrs? Merde. Gardez ce que j'ai récupéré en off. Gardez ce que j'ai récupéré en off. Oh bah tiens, dis donc. Oh bah alors ça, un petit muguet fantomatique neuf. Le mausolée de la dynastie Mogul. La petite carte du palais. Ah excellent. Il doit y avoir un site de grâce pas loin. Incroyable. T'as jamais vu ça? T'as jamais fait ce boss, Brian Bot? En gros, pour expliquer ceux qui connaissent pas, comment on fait pour récupérer cet item, la médaille de chevalier pur sang, qui te permet d'aller au palais Mogwin et d'affronter le vrai Mog, pas celui qu'il y a sous la capitale, le vrai, le pur, le dur. En gros, il faut que vous alliez... Hop là. Il faut que vous alliez voir Varé, qui se situe par là, à l'église de la Rose, donc en Liornia. Varé qui se sera déplacé du début du jeu avec son masque blanc, là, à là. Quand il est plus au début du jeu, c'est qu'il est ici. Et ici, il va vous donner un item qui permet d'envahir des gens. C'est un item pour aller envahir des gens en multijoueur. Que tu gagnes ou que tu perdes, on s'en fout, faut juste que tu aies réussi à faire 3 invasions. Une fois que tu as fait tes 3 invasions, il va te donner un linge blanc et il va te dire imprégnez-le du sang d'une gardienne de feu, là, je sais plus comment t'appelles ça, d'une servante, d'une maiden, voilà, et revenez me voir. Et une fois que tu as fait ça, donc en gros, il faut que tu aies tué une maiden, une fois que tu as fait ça, boum, tu peux aller avec la médaille voir le palais Mogwin, tout simplement. C'est celui qui t'arrache le doigt, il te le coupe pas, il te l'arrache. C'est encore mieux. Ok, alors, d'ici... Putain. Tu peux te balader à cheval? Même pas, putain. Ouais, les DLC, je pense que ça va être monstrueux. Hein. Vivement les DLC, moi j'attends que ça. Enfin, pour l'instant, je me fais mes persos, donc ça va bien. Mais ouais, les DLC, ça va être une pure dingue. Donc là, c'est la merde. Comprenez bien qu'ici on n'a pas le niveau. Hein. Ça c'est une zone de fin de jeu. Et même en fin de jeu, tu te fais éclater la gueule. Et là vous vous dites, bah alors pourquoi tu vas par là? Les gars, on fait jamais les choses par hasard, Brian. Pas mal. Ok. Il doit y avoir une grotte par ici qui va m'être très très utile. C'est ici. Et voilà, essaim de mouche. Et
extraordinaire. On a récupéré l'un des meilleurs, l'une des meilleures incantations du jeu, puisque ça permet de provoquer du saignement. Voilà, c'est la nuée vorace de Doris de DS3, tout simplement. Oh, dîme 200. Pierre de forge sombre 9. Tu te rends compte dans quoi est-ce qu'on est là? Oh putain, bon, on va mourir. Mais c'est pas grave. Pas grave, Stéphane. Ouais, le muguet ici est plutôt phénoménal. Mais bien content en tout cas. Rose de sang. On a récupéré un très très bon sort. Je sais pas trop où on va, mais on y va là. Bonjour. Je sais pas du tout où je vais. Hein. Je prie en fait pour trouver un site de grâce et me casser. Oh putain. Quel plaisir. Ah mais c'est pas la zone de farm là que les joueurs ont trouvé. Attends, c'est pas la zone de farm que les gens avaient trouvé. Ah si, mais là avec mes lances je pourrais pas l'avoir. En gros, tu prends un arc et tu tires sur le corbeau. Le corbeau géant là-bas, il va forcément venir vers toi et tomber dans le vide. Voilà. C'est pour ceux qui n'ont pas compris. Vous prenez... Ah, regardez, attendez. Je vais vous montrer une fois que le... Vous vous reposez ici. En bas, il y a un énorme corbacle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et bah, vous prenez un arc, vous le visez, vous lui tirez dessus une flèche. Il va savoir que vous êtes là, il va venir vers vous, et ensuite il va tomber dans le vide et... Rune gratuite. C'est une zone de farm que je connaissais, mais que j'étais jamais... En fait, j'ai jamais pu visiter complètement la zone du palais de Mogwin, parce que chaque fois je me faisais éclater la gueule. Donc voilà, en tout cas, c'est la petite zone, mais bon. On n'a pas besoin d'en faire plus ici, parce qu'on a récupéré ce que je voulais. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? L'académie, je sais pas, je garderai bien ça pour peut-être mercredi, tu vois, on fait ça tranquillement mercredi. Là, en soi... Ah, je tenterai bien ça contre le putain de boss qu'il y a là, en fait. Je tenterai bien ça contre le couteau noir, mais bon, est-ce que ça va bien le... Est-ce que ça va bien le déglinguer, je sais pas. En vrai... Vas-y, on teste, j'ai envie de voir. Le boss, j'ai peur qu'il soit trop fort, moi, non? Il sera pas trop fort le boss? Non mais vraie question les gars. Me répondez pas non pour qu'on regarde pendant une heure Ravi pleurer sur Mog. Mais vraie question tu vois. Il est pas juste trop fort. Il y avait pas de méduse avant ici, c'est marrant. Il y avait pas de méduse là. What? Ouais, Mog tu vas te faire démolir. Si si. Kappa. Ok. Non mais c'est bien les gars, merci. Hop là. Ouais, faudra regarder les dégâts mais... Je sais pas, j'aimerais bien le faire une fois que j'ai la foi au max que je veux, c'est-à-dire 60. Et que j'ai 50. En gros dans 15 niveaux j'aimerais bien le tenter. On monte de 15 niveaux et on le tente. T'as l'impression que c'est dans hyper longtemps. T'sais. C'est où le truc? C'est là-haut? Je crois que c'est là-haut. Ah, c'est la nuit. Okay. Et j'ai oublié d'équiper, putain, le sort. Bon, c'est pas grave. On va se le faire brut comme ça. Tu vas voir, moi, je vais te montrer que c'est faisable de le faire. Tiens! Réveille-toi, enfoiré! Oh merde. Tiens. Hop là.
Pourquoi c'est toujours pareil? Oh, taste the booyah! Bah voilà. Couteau noir. Oh, je vais activer le site de grâce du truc. Waouh! Merci pour les GG. Bon bah voilà. On va s'équiper de notre nouveau sort, comme ça on n'oublie pas. Dark Stallion, bien le bonsoir à toi. Eh bah putain de merde! Non mais c'est bien comme ça. Tombe du héros canonisé. Hop, on va s'équiper, j'avais dit. Putain, mais c'est ouf quand même. Et bah, bonne nuit, Philopilo. Merci d'être resté jusque-là, en tout cas, ça fait bien plaisir. Hop, on va s'équiper de notre nouveau sort. Et il faut 16 des eaux, putain! Mais j'en ai marre, l'ésotérisme là! Oh, c'est si horrible. C'est si injuste. C'est vraiment injuste. Bon, si on a besoin de l'utiliser, on a le home qui permet d'augmenter notre ésotérisme de je sais pas combien de points. Donc il y a zéro problème. Il y a zéro problème. Ok. Ezo, Intel, tout ce que t'as pas quoi. Bah ouais, moi je suis à l'ancienne moi. Je suis à l'ancienne avec on augmente qu'une stat comme un gros porc et puis c'est tout. Ok. Attendez, je réfléchis. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? À Lindel, j'ai rien d'autre à faire. J'ai fait Mog. On avait fait Godric. Goldric. On va l'appeler comme ça. Il y aurait Morgoth, éventuellement. Ricard, on le fait pas. T'auras le boss de ce donjon, mais j'ai pas envie de le faire maintenant. Y a des choses nouvelles au manoir, tu crois ou pas? Je sais pas, on va aller voir. Juste aller voir le manoir. Salut à toi, Captain. Je suis embêté, je fais un but de foi niveau 24, mais je sais pas où trouver les sorts en fait. Ça me permet pas de passer le premier boss, une solution. Il faut que t'explores à fond, mais les autres zones. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait un buis de foi pur. Et on a pu trouver plein de sorts trop bien. Donc il faut vraiment que tu explores à fond. Ryan Me, salut à toi. On a fait, si tu veux regarder sur mon Twitch, il y a plein de rediffs de stream. Regarde les premières rediffs et tu verras, tu auras toutes les réponses à tes questions. Tac. If you follow this, it cannot come. Ok. Il n'y a plus rien en truc là. J'ai plus d'invitation, j'ai plus rien. Non, il n'y a plus rien. C'est terrible. Ouais, je pense que là, il n'y a rien de mieux à faire que... Ok. Et Max, salut à toi. Ok. On va les run full foi, full intelligence, c'est toujours très marrant. Faut juste faire un peu de recherche au préalable. Sinon il y a la tour en K-Elite qu'on pourrait faire aussi. Il y a d'autres boss en K-Elite qu'on n'a pas fait. Ah putain, je sais ce qu'on n'a pas fait en K-Elite. Attendez, on va tester notre puissance. On va réellement tester notre puissance. Il y a un truc qu'on n'a pas fait en K-Elite. En plus, il fait nuit, ça tombe bien. Alors, à moins que ce soit pas la nuit, je sais pas. Normalement, il est censé être là. Rome Dragon, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pouya. Ah, il est peut-être pas là. Hein. C'est peut-être pas la nuit, j'en sais rien. On l'a déjà tué? What? Y'a personne? What the fuck? Le renard, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pouya. Et j'ai raté gros tas. Bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pouya. Je l'ai mal prononcé exprès pour pas que ce soit vu comme une injure.
Enfin, normalement, t'as pas un... What? Bah, je l'ai jamais fait le boss ici, si. J'ai fait le dragon, mais j'ai pas fait l'autre. What the fuck? Et Good Panda, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pouya. Peut-être que c'était la fin de la nuit, j'en sais rien. Vas-y, fais voir. Bah, je l'ai peut-être déjà fait. J'ai tué Grayol, mais c'est pas Grayol que je veux. Normalement, t'as un autre gars là. Ah, c'est l'autre pont. Ah, celui-là. Ah ouais. Sérieux. Ah. J'étais persuadé que c'était ce pont là. C'est sûr ça. Ah, remarque, oui, ça fait deux boss sur le même pont, c'est chaud. Attends. On va aller voir. Mais ça me paraît bizarre, moi j'étais persuadé que c'était ce pont là. Ah, en effet, il est là. C'était l'autre pont, autant pour moi. Mais c'est après, je me suis dit, oui, c'est vrai que c'est con d'avoir deux boss sur le même pont. Putain, reviens là! Oh nice. Oh putain, les dégâts! Oh! What? Oh! Oh, les dégâts sont débiles! Ok, cool, il a évité. Merci. Putain, mais il esquive tout. M'emmerde. Ah, la foudre. Il aime pas la foudre. Peut-être un truc à creuser. Putain, si j'avais pas bloqué, je serais mort. Oh, mais vas-y, j'en ai marre, il esquive sans esquiver en plus. Ah, je... Oh. Ok, ok. Non, mais ça va le faire, ça va le faire. Merde, faut qu'on refasse la nuit. Faire passer le temps jusqu'à la nuit. Ok, ok. Sinon, il y a l'académie, mais je pense que l'académie, on se la garde pour mercredi, ça pourrait être pas mal. Ah, attends, là, il va se barrer.
Putain, 1098. D'accord. J'ai envie de pleurer. Oh, oh mais les esquives absurdes. Mais putain. Ah. Mais il me met de ses esquives là. Et en plus il essaie même pas d'esquiver. C'est ça qui est le plus rageant. Juste con se balade là et ça suffit. Bah oui évidemment, j'ai plus rien. Super. Super. Oh, mais c'est pas vrai. Mais putain, optique 2000. Voilà. Taste the booyah! Oh nice! Pas de chevalier limier. Ah putain, c'est lui qui te drop ça. Je savais même pas. Oh ça va. Ah non mais mon dieu, mais la foudre qui passe à côté. Oh là là. Non mais la foudre, j'avais envie de pleurer. Tu vois, le mec il se balade avec son cheval et tu sais, chou, chou, la foudre elle est tout à côté. Tain. Allez hop, 56 de fois mesdames et messieurs, ça monte, ça monte. Est-ce qu'on a encore des petits boss là qu'on pourrait faire? Il est où le piaf déjà? Le piaf de nuit, il est par là? Je me rappelle ah non, il est peut-être par là. Je sais plus, le piaf de nuit, où est-ce qu'il est? Ah, y a la tour aussi qu'on pourrait faire, ouais.